Bonjour la famille, c'est moi Gilmas, le tonton de tous les enfants. En tout cas, je suis toujours là pour vous. Je dirais d'abord merci puisque je suis toujours reconnaissant envers les miens, les gens qui me supportent, les gens qui portent vraiment la chaîne ici du Chronique d'Inet TV très haut. En tout cas, je suis tellement trop reconnaissant. Aujourd'hui, on a un problème toujours, encore. Il y a toujours des problèmes dans notre communauté. Fali Poupa avec ses deux filles, la, et ses deux enfants, les filles et les fils, les enfants aînés, la fille Keina avec Marco 6. Les gens sur les réseaux sociaux veulent diviser la famille de Fali Poupa. N'oublions pas qu'il y a les gens qui aiment Fali et supportent seulement les garçons Marco 6 et ils ne veulent pas écouter toutes choses venant de Nicky Menga. Il y a aussi les gens qui aiment Nicky Menga, qui ne veulent pas écouter de Fali Poupa et tout ce qui vient de l'autre côté de Fali Poupa. Alors il y a des cas, tous ces deux cas, quand vous insultez, quand les cas de Nicky Menga insultent, c'est comme si c'est Nicky qui les a voyés à insulter. C'est pour cela que je vous ai toujours dit de ne pas insulter, quel que soit le problème. Côté Fali Poupa aussi, quand un warrior, les gens qui veulent supporter Fali dans tous les cas, dans toutes les positions, quand ils insultent Nicky Menga, il se fait que c'est Fali qui est en train de pousser, de dire aux gens d'aller insulter Nicky. Or, tous ces gens-là ont des... Je peux dire que ce sont des innocents. Ce sont les fans qui mettent le feu. Les fans. Mettre des discordes dans la famille. Alors, ce qui est sûr que les propos tenus par les fans de Nicky Menga, ça ne concerne pas Nicky Menga. Les propos tenus par toute la team Nicky, ça ne concerne pas Nicky. Les propos tenus par les Wario, ça ne concerne pas Fali Poupa. Puisque les Wario de partout dans le monde, Fali, il ne peut pas être capable d'aller à parler à tout le monde. Même Nicky aussi n'est pas capable de parler à tous les gens qui la supportent. Alors, quand on a les premiers problèmes ici, les problèmes de ADN qui circulent sur les réseaux sociaux, je ne pense pas personnellement que Fali Poupa pourra prononcer de tels mots. Puisque la fille d'abord elle-même elle ressemble à Fali, quand Fali passe sur les réseaux sociaux internationaux, sur les chaînes de télévision internationales, par exemple au Cameroun et à Côte d'Ivoire, il a parlé de sa fille, il a parler des éloges de sa fille Keina. Alors, ce n'est pas possible que Fali puisse arriver à des bêtises comme ça. C'est les propos des warriors, ce sont les propos qui n'engagent que les warriors, pas Fali Poupa. Et ça ne concerne pas Fali et sa famille. La fille Nike Keina et Poupa, c'est la fille chérie à Fali Poupa. Vous n'allez même pas, en aucun cas, vous les warriors, vous allez diviser, vous allez couper les sang. C'est impossible. Vous voulez vous faire aimer inutilement. Que vous le voulez ou pas, Fali sera le père. Jusqu'au moment où, jusqu'à ce qu'il mourra, le père de Keina et Poupa. Vous n'allez pas changer ça. Vous les gens qui écoutez les choses comme ça, venus de Waru. Et puis vous, la team Niki, vous n'avez pas besoin de répliquer. Vous n'avez pas besoin de répliquer de telles choses. Puisque Fali, vous-même, vous savez, il a toujours dit que c'est sa fille. Partout où il parle de sa fille Keina. Est-ce que vous pensez que vraiment, Fali peut faire de telles choses, peut dire de telles choses? Non, moi je dis que c'est non. Ce sont les fans, les waro qui ne sont pas intelligents. Il y a toujours dans tous les points, dans tous les coins, dans tous les groupes, il y a des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne seront jamais intelligents, il y a des gens qui ne comprennent pas. Les gens qui fument, qui sont drogués, qui sont enivrés par des bières, de l'alcool est déjà asphyxié leur corps. Comment ce type de personne pourra venir sur le toit du net et parler des choses normales? Ce sont des gens insensés. Alors la team Niki, ne faut pas écouter de telles choses. Il ne faut pas vous désorienter dans des débats inutiles. Il faut fuir les débats qui ne sont pas vraiment à votre hauteur. Il y a des warriors qui ne sont pas intelligents. Une personne comme Mida, des maires officiels, ce sont des gens qui ne seront jamais à votre niveau. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Quand elle va parler de l'ADN, pendant que Fali Poupa lui-même parle de sa fille, sur les réseaux internationaux, pas les réseaux locaux,
pas sur les chaînes de notre chaîne de YouTube, mais dans des réseaux, dans des plateaux de télévision internationale au Cameroun, à Côte d'Ivoire. Il parlait de sa fille, des éloges de sa fille. Il montre combien il aime sa fille. Fally Ipupa aime ses enfants, il aime sa fille. Les blablabla que nous sommes en train d'écouter, que les gens sont en train de raconter, ça n'a aucun rapport avec Fally Ipupa. Non. Là, en tout cas, il faut qu'on se dise la vérité. Ça n'a rien à faire avec Fally Ipupa. La fille, là, c'est la fille chérie à Fally. C'est la fille, c'est le ça de Fally Ipupa. Il faut laisser vos hérésies dans les affaires qui ne concernent pas les enfants. Aujourd'hui, moi, là où j'ai vu seulement la chose qui n'a pas été peut-être normale, selon moi, et les analyses ne concernent que moi personnellement, parce que je suis le tonton de tous les affaires. Que ce soit les affaires de Niki, les affaires de Nana Ketchup, les affaires de tous ceux qui me regardent ici, je suis le tonton. Si je pourrais passer, soit donner mon point de vue, j'ai le droit de le faire. Quand il s'agit de ces deux affaires-là, Kena Ipupa et Makosis, tous ont fini les études. Si Fally pourra donner des cadeaux hors à l'écart des réseaux sociaux, ça serait une chose très meilleure. Comme il a amené, il a donné des cadeaux, soit disant que moi-même je n'ai pas vu, il a dit qu'il va acheter le Jeep à Marco 6. C'est bien. Peut-être quand il verra aussi la fille, puisqu'il ne vit pas avec la fille, quand il verra la fille, peut-être il va lui proposer aussi une Jeep. Est-ce que la Jeep, si par exemple, le garçon c'est un homme, peut-être il a besoin d'une voiture, on lui offre une voiture. On ne sait pas ce que la fille a demandé à papa. Peut-être le papa est en train de préparer les cadeaux pour la fille. L'année n'est pas encore achevée, on est encore là. On a juste fini les études, on vient juste de commencer le mois de juillet. Attendons, peut-être cette fois-ci, comme on avait encore, je reviens sur les points ici. Comme on avait toujours dit à Fally que lui, quand il donne à Kena, il a toujours donné à Kena si, devant les caméras. Alors, est-ce qu'il a donné derrière les caméras comme il a toujours donné devant? Soit il a donné aujourd'hui derrière les caméras. Attendons voir et laissons voir. S'il n'a pas donné, c'est là où il va devenir un mauvais papa. Un papa qui ne contrôle pas. Même moi, en tant qu'analyste, un homme intellectuel, un homme intègre, moi là, je vous dis ceci. Si vous regardez la vidéo où on fait la fête de Marco 6, ce n'est même pas une vidéo de fête, c'est une vidéo de baise. Fally, même quand vous voyez sa face, il n'est même pas dans les affaires là. Vous voyez qu'il n'y a que deux personnes, sa maman c'est normal, elle doit être contente. Elle doit être contente d'avoir un enfant qui finisse déjà l'école secondaire. Ça, c'est normal et c'est naturel. Ça n'a rien à faire avec celui-ci ou celle-là. Rien. Mais quand on parle de la fête, pour moi, ce n'est pas une fête. Même si on célèbre la fête du garçon, où est le problème? La maman a le droit de souhaiter soit de fêter avec son fils, soit sa fille. C'est normal. Même à côté de Kena, avant que Fally vienne fêter avec sa fille, la maman, Niki Menga, peut fêter avec sa fille pour la réussite, pour réussir ses examens, finir son école secondaire. Elle peut toujours fêter sans Fally Ipupa. Ça, c'est normal. Il ne faut pas qu'on se limite si des choses qui ne sont pas vraiment, vraiment intéressantes, si des choses qui ne vont pas faire évoluer l'association. S'il vous plaît, les choses, si celui-ci aurait acheté une Jeep, qu'est-ce que ça a à faire avec une société? On a dit, là, on a acheté Jeep. Est-ce que vous avez vu la Jeep? Il y a des choses qui peuvent... Moi, je peux avoir un enfant, une fille ou un garçon. Et il vient de finir l'école, il dit, oh, je vais t'acheter celle-ci. C'est une joie d'expression. Je peux m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Cela ne veut pas dire que je vais l'acheter. Vous comprenez? Mais est-ce que si on lui achetait une voiture, une Jeep, il a l'argent de parking où on va commencer à payer les assurances, tout cela? Il faut aller au-delà des affaires que les gens racontent. Il y a beaucoup de choses derrière une voiture. Il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, pour la fille Keina, c'est la fille à papa. Elle étudie. Elle n'a pas. Est-ce qu'elle a besoin de voiture pour aller à l'école? Elle n'a pas besoin de ça. Il faut encourager la fille. Il ne faut pas montrer à la fille qu'il y a celui-ci et il y a celle-ci. Il y a une division. Non, ça, c'est ce qui tourmente les enfants. C'est ce qui tourmente les enfants. Il faut regarder le côté positif. Regarder le côté positif. Et c'est le côté positif là qu'il faut montrer maintenant aux enfants. Même les garçons, quand vous voyez dans la vidéo, les garçons n'est pas content. Ce sont des montages, des manipulations inutiles. Regardez maintenant, il faut bien regarder, il faut visionner et revisionner la vidéo pour mieux comprendre comme moi. Moi, quand je dis les choses, je ne viens pas seulement parce que les gens ont dit. Je regarde, je médite, je regarde les entrelignes et puis je fais une analyse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Boti Kabiloba Loba, soki va sombele mutuka. Ezas, maman n'a qui sombele mutuka, ce n'est pas mauvais. Où est le problème? C'est maman ya mwana sombele mwana ne mutuka. Boye basi, na makambu nyonso, est-ce que bango baza na mbongo penda ou bakozala? Chaque mois, bazo futa kasira sa mutuka, karibira, ba frère réparation, ba nini ba parking. Est-ce que osasi que mwana on a capable de sala makambu wana? Alors, ma question est belle, ça c'est ma mutuka. Ça na mutu oyo, aza na posa ya mutuka. Il y a des choses qui déjà, il n'a pas besoin de voiture pour être vie. D'autres personnes ont besoin d'intelligence, c'est tout. Awa Niki Menga, elle a posté le diplôme de sa fille. C'est normal. Niki Menga, Nana Ketchup poste la fête de son fils. Où est le problème entre vous? Où est le problème? Où est le problème? L'essentiel est que tout le monde soit à bon terme. Vous êtes, vous, le team Niki. Concentrez-vous dans le but de la cagnotte à Niki Menga. Concentrez-vous pour la bonne forme de l'association Niki Menga. Les gens de Fally Poupa, au lieu de passer votre temps à critiquer, à parler, la vérité et la réalité qui est devant vous, il y a plus de 6 mois que Tokos est déjà sur les marchés Tokos D. Où est parti Tokos D? Parce que vous-même, vous savez bien que Tokos D n'est pas approprié à la communauté congolaise. Vous n'êtes pas capable même à faire la promotion de l'album de votre artiste préféré. Vous n'êtes pas capable, puisque vous sentez que ce n'est pas, il n'y a pas un marché pour l'album de Tokos D. Il n'y a pas un marché dans la communauté congolaise. La communauté congolaise n'est pas vraiment attiré avec de telles musiques. C'est pour cela qu'il n'y a personne qui peut faire la promotion de la chanson. Qui a fait la promotion de Tokos D? Il n'y a personne. Depuis le mois de juin jusqu'aujourd'hui, vous aviez changé les choses. Au lieu de faire la promotion, vous vous contactez des choses qui ne sont pas valables, qui ne sont pas réelles. Les choses qui ne vont même pas amener l'artiste d'aller en avant. Vous vous êtes mêlé dans des désordres. C'est là où les problèmes persistent. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes promoteur d'un artiste, regardez ce qu'il est en train de faire et faites la promotion. Mais vous êtes tous mélangés dans des désordres. Il y a à la fois fait ceci, à la fois fait cela, à la fois fait ceci, à la fois fait cela. Et puis on fait quoi? Nous, on a besoin de tout ça. On a besoin que Fally Poupa et une parfaite affection, parfait amour envers ses enfants. C'est tout ce qu'on en a besoin. On s'en fout de tous les autres là. Le monsieur Fally a des mamans, a des femmes. Une femme, des femmes. Chaque femme, elle peut traiter ses enfants à sa manière. Sauf que si Fally, il est capable de donner les allocations familiales, l'argent des enfants, des filles là, et que les filles là l'utilisent d'une autre manière, c'est là où sera le problème. Mais dès qu'il fallait être en train de les donner, elles peuvent investir leur argent d'une autre manière. Peut-être le garçon lui veut faire, il veut conduire une voiture, la fille lui, elle peut investir son argent d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela qu'elle est déjà une commerçante. Elle fait des business en ligne. Alors il faut supporter la fille, il faut supporter les actions de l'association Niki Menga à bas de la bassesse dans notre lutte. Alors, je suis là toujours pour vous. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos, commentez massivement, partagez encore, je vous dis une fois, abonnez-vous.
On est là. Et à la prochaine. Bye.